va essayer de parler ce soir beaucoup, 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 beaucoup des adolescents, beaucoup, beaucoup, beaucoup des psychopathes, beaucoup, beaucoup, beaucoup des névroses, enfin bref, de tout le monde. Et je me pose toujours la question de savoir si en fait, on ne parle pas, cher Jean-Pierre, en fait, de tous les gens qui sont dans la salle. Voilà, mais on aura l'occasion d'en parler après. J'ai eu l'opportunité d'ouvrir en 1973 un service, qui était le premier, je pense, de soins et d'éducation spécialisés, soi-disant à domicile, parce qu'ils n'étaient pas forcément au domicile familial, pour des jeunes marginaux. Parce qu'il y avait eu une création par la ministre de l'époque, si vous voulez, de la solidarité et compagnie, la création de services de soins à domicile. Et donc j'ai déposé une demande pour que ça puisse être fait pour des jeunes qui étaient dans la rue, qui étaient marginaux, dont personne ne voulait plus s'occuper, qui étaient renvoyés à toutes les institutions. Alors je suis allé devant les commissions régionales classiques et encore aujourd'hui, même si le nom change, mais c'est toujours la même chose. Et on m'avait dit, mais monsieur, ces services de soins à domicile ont été faits pour des enfants et des adolescents qui ont des problèmes psychiques ou qui sont déficients intellectuels, etc., etc., mais pas du tout pour des marginaux. Ben, j'ai dit oui, mais écoutez, c'est pas marqué dans le texte. Alors, ils ont lu le texte et ils m'ont dit, ben, vous avez raison. Alors, contact, j'ai découvert qu'il fonctionnait selon un triptyque existentiel que j'ai appelé les 3D. Alors, le 3D de Chartier, si vous voulez. Le déni. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui sont dans le déni de leur implication dans leurs actes délictueux. Et ça, il faut bien comprendre ça. Parce que, si on, attention, quand je dis déni, vous voyez, c'est... Bon, pour ceux que ça intéresse, il y a l'article de Freud de 1927 sur le fétichisme où il parle de ça. Mais le déni, en l'occurrence, ça veut dire qu'ils ne sont jamais responsables de ce qu'ils ont fait. C'est toujours les autres. Ce n'est pas de leur faute. S'il a violé, bah, parce qu'elle en voulait, elle m'a provoqué. Oui. Et donc, ça, attention, il faut bien voir que c'est un mécanisme inconscient très fort chez eux. Hein. Et que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas leur fonctionnement. Ils sont dans le déni de leur implication. Ils ne sont pas les responsables de leurs actes. Deuxième déni, c'est le déni des conséquences possibles de leurs actions. C'est-à-dire que nous, en principe, quand on commet des choses qui sont plus ou moins limites, etc., on fait attention un minimum. Exemple, vous avez acheté une nouvelle voiture, monsieur, je sais bien. On vous a dit qu'elle pouvait rouler à telle vitesse. Vous allez prendre l'autoroute avec. Vous allez voir pour vérifier que c'est possible. Mais vous allez ralentir parce que vous savez qu'il y a des endroits où il y a des radars. Et surtout, 10 km avant les péages, il ne faut pas... parce que c'est là qu'ils les mettent. Eux, jamais. Ce n'est pas une question d'intelligence, oui. Rien du tout. C'est une question structurale chez ces sujets, très difficile à traiter. Je vais vous prendre un exemple qui vous parlera, parce qu'il y a eu deux films l'année dernière sur lui, Jacques Mesrine. La conduite de ces sujets nous restera toujours incompréhensible, parce qu'ils ne sont pas dans des logiques rationnelles, etc., etc. Vous voyez, ils sont dans le déni des conséquences de leurs actes et dans la toute-puissance. Ils sont convaincus qu'ils sont tout-puissants, qu'ils vont réussir, etc. Si on veut comprendre la logique de ces sujets, il faut comprendre qu'ils sont dans le déni. Ils ne sont jamais responsables. C'est toujours les autres. Le déni des conséquences de leurs actes. Et alors, il y a le défi. Alors, c'est vrai qu'ils sont dans le défi. Alors, défi de l'autorité sous toutes ses formes. Depuis qu'ils sont tout petits, souvent. Hein. Alors... Le meilleur exemple que j'ai, c'est un gamin, figurez-vous, qui m'avait été confié quand j'ai créé ce fameux service-là, pour les jeunes difficiles. Alors lui, à l'école maternelle, bon, il frappe ses camarades,
Il insulte l'institutrice, il pisse dans le bac à sable. L'année d'après, au cours préparatoire, il est plus grand, il est plus fort. Et là, il y a un conflit, et il va gifler la directrice. Alors, on dit qu'il faut trouver une solution. On lui trouve une école expérimentale. École expérimentale où, tenez-vous bien, il y avait de la place. Parce que ça existe, les écoles expérimentales, mais en général, il n'y a pas de place. Et donc, il rentre dans cette école expérimentale, et il va mettre un an à expérimenter les limites de l'école expérimentale. Il y a des choses très positives avec l'éducatrice qui s'occupait de lui, si vous voulez. Un jour, elle avait réussi à le décider, à aller dans un établissement région parisienne, ou justement sponsorisé par l'épouse d'un ex-président de la République. Beaucoup d'argent dans l'établissement où ils organisaient pour les gamins des raids. En moto, en voiture, etc., etc., style Paris-Dakar. Voyez. Alors le gamin, tout content, il a dit « moi je suis d'accord ». Et donc on l'avait fait admettre dans cet établissement à cause de ça, bien sûr. Sauf que la veille de son admission, il est retourné dans l'école maternelle dont il avait été exclu et il a attaqué à la bombe lacrymogène les gamins et l'institutrice. Si bien que le magistrat qui me l'avait confié m'a retiré la prise en charge en disant « ah non, il est trop dangereux, etc. etc. » J'en parlais l'autre jour devant un public de magistrats et ils m'ont dit bah, « lui, ce sera le Messrine de demain. » Vous voyez le lien avec Messrine, quoi. Ou alors il sera tué dans un règlement de compte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ces sujets qui sont dans le déni, vous voyez, comme on l'a dit, dans le défi de l'autorité, et forcément le troisième dé découle des deux premiers, c'est-à-dire qu'ils font des délits, forcément, ben, il faut adapter nos outils thérapeutiques à ces sujets-là, et il faut que les institutions suivent. Parce que si les institutions ne nous suivent pas, si on s'imagine que des formules du style tout sécuritaire, etc., etc., vont régler les problèmes, ben, on est dans le leurre absolu. Ça, c'est malheureusement ce qu'il faut dire dans l'actualité. Et première question, si vous avez cette fameuse règle des 3D, est-ce que vous, avec l'expérience que vous en avez, moi j'ai lu votre livre, hein, c'est pas joyeux, les transgressions adolescentes, parce qu'on a le sentiment, vous me dites si je me trompe, qu'aucun adolescent tel que celui que vous décrivez ne s'en sort finalement. Est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'on peut envisager que ce garçon fasse autre chose que de voler des moissonneuses batteuses? Oui. Non, ça c'est vrai que si vous voulez, contrairement à l'opinion de la psychiatrie officielle, et même celle de Freud, parce que Freud ne s'est jamais occupé vraiment de ces sujets. Délinquant, il avait une certaine aversion pour tous ceux qui transgressaient les lois. Et donc, il a écrit deux petits articles. Bon, en 1916, vous avez Le criminel par sentiment de culpabilité, où il explique qu'il y a des gens qui commettent des délits parce qu'en fait, ils ont une culpabilité inconsciente et que le délit leur permet de se faire punir. Bon. Et puis un article qui est sorti après sa mort, 1941, sorti cet article, il était mort en 39, en septembre 39, qui s'appelle « Personnage psychopathique à la scène », où en fait, il nous parle de qui? De Hamlet et de Shakespeare. Le personnage du prince Hamlet qui devient meurtrier, etc. etc. Donc il n'avait pas de connaissances, de compétences et d'intérêt surtout pour ce genre de patients. Je dis que ces gens-là, effectivement, on peut tout à fait les traiter à condition d'adapter notre technique. Parce que si nous, on n'est pas capable de changer notre façon de faire avec eux, ben c'est évident qu'ils ne vont pas rentrer dans un cadre classique. Si vous demandez à un délinquant de ne pas mentir, de tout dire, de ne pas agir, c'est la règle psychanalytique. Ben, c'est évident que s'il fait tout ça, il est guéri.
Oui, alors lui, ce qu'il va nous demander, c'est quoi? L'inverse, c'est de nous impliquer dans une relation réelle avec lui. Il va demander que nous soyons, et la présence réelle de l'analyste, à mon avis, c'est la condition princeps de toute évolution positive de ces sujets. Donc il faut être là. Il faut être là, il faut accepter de s'engager dans une relation. Il faut, bon, avec tout ce que ça a de difficile, hein, c'est vrai que ce n'est pas simple. Hein. Mais il y a ça. Et puis, il va falloir pratiquer ce que j'ai appelé une réanimation psychique. C'est-à-dire que ces gens-là sont sortis du circuit du psychique pour être dans l'agir, dans l'acte violent, destructeur des biens d'autrui et d'eux-mêmes. Donc, il va falloir réinjecter du psychique, comme on le fait en réanimation quand on réinjecte de la vie. Oui. Il va falloir réinjecter du psychique chez eux. Et comment on va le faire? On va le faire à partir de notre propre vie, en acceptant de s'exposer aussi devant eux et partager des choses avec eux. Quoi. Ça, c'est un problème. Et on avait dit tout à l'heure qu'on parlerait un peu du management, comme on est dans une école de commerce. Moi, je travaille beaucoup, de plus en plus, avec des cadres, des patrons. Et je voulais vous poser une question. Est-ce que l'on rencontre chez les managers, chez les patrons, par exemple, des psychopathes? Alors, dans les entreprises actuelles, ou effectivement, il se passe des choses. Alors, on appelle ça harcèlement tout de suite. On est d'accord? Eh oui. Alors, il y a évidemment des manœuvres qu'on pourrait dire incestuelles, je vais les appeler comme ça, dans les entreprises. Et puis, vous avez les patrons, puisque c'est bien la question que vous me posez, qui, eux, se sont identifiés à ce que Freud a décrit dans Totem et Tabou en 1913, au père de la horde primitive. Alors, dans ce texte, qu'est-ce que nous raconte Freud? Alors, c'est un mythe, hein, on est d'accord, mais c'est, il y aurait eu, à l'origine de l'humanité, un père tout-puissant qui s'arrogeait le droit de disposer de toutes les femmes et qui empêchait tous ses enfants d'en profiter. Donc, lui, il avait toutes les nanas et les garçons n'avaient aucun droit d'en avoir. Au bout d'un certain temps, les fils se sont ligués contre lui, ont décidé de le mettre à mort, l'ont tué et puis l'ont mangé dans un repas totémique, d'où totem et tabou. Et après, plus tard, bien sûr, le meurtre du père sera remplacé par le meurtre d'un animal totémique, hein, comme dans l'histoire d'Abraham et d'Isaac, finalement. Et alors donc, effectivement, je crois qu'il y a des entreprises où le patron, c'est le père de la horde primitive, quoi. Mais on peut faire un rapprochement aussi avec, vous voyez, cet abus qui peut exister dans certains cas, hein, du chef, quoi, qui va s'arroger des droits, des pouvoirs et en exclure tous les autres. Alors c'est vrai que c'est souvent moins caricatural que ça, heureusement. Mais écoutez, on va remercier chaleureusement Jean-Pierre Chartier.